Je démarre, Vincent. Est-ce que vous êtes ready? Yes, I am ready. Vous êtes ready. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur notre let's play Portal Knight. J'espère que vous allez bien. Vincent, je t'ai pas donné d'infos, mais sache que des vidéos Portal Knight, il y en a jusque pour 6 mars. Au 6 mars? Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, j'ai upload 18 vidéos, à peu près. Sachant qu'il me reste encore... Non, je les ai toutes... Non, je crois que je les ai toutes upload, donc je crois qu'il y en a 18 ou 19. En plus, c'est DLC. Et vu que je les ai mis une journée sur deux, parce qu'à côté, je mets aussi... tu sais, je fais sur le créneau de 18h, je mets une vidéo qu'on du jeu qu'on a joué. Mais l'autre journée, je mets je mets du Let's Play Skyrim ou un autre truc, tu vois. Ouais, un autre truc. Parce que j'ai avoir que du... Il y en a beaucoup trop tous les jours. Et du coup, parce qu'en fait, je veux pas repasser sur un créneau de 3 vidéos par jour, je vais rester sur du 2. Mais du coup, en fait, ça me fait vraiment. Ce qui est bien, c'est que ça me fait des vidéos prévues jusqu'au pour 6 mars. Ah, là, t'en as pour un mois en gros pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque part, t'en as que pour un mois. Que pour un mois. Et en vrai, ça va aller vite. Et en vrai, que pour un mois, mais. C'est juste que sur une semaine, déjà, on joue pas. Voilà, ça fait déjà ça de moins. Ah, là, ça fait une semaine qu'on n'y a pas joué ce jeu. Voilà, ça va faire une semaine qu'on n'y a pas joué. Et puis après, là tu vas y voir Hogwarts, ce qui va arriver, on va plus jouer ensemble. Après, je tiens à dire aux gens, on parlait lors des derniers épisodes, on a fait les boss ultra méga durs. Ouais. De mon côté, j'ai farm le dragon, j'ai fait 11 ou 12 combats, j'ai pas eu un seul trophée. Voilà, donc t'en as eu un Hein ? Non, t'as pas eu de trophée, si, t'en as eu un ? Non, j'en ai eu aucun. C'est dingue ça quand même. Vraiment, 11 combats et farm, et puis là j'étais tout seul. Alors, par contre, ouais, avec Wiimote, donc vie infinie, donc easy. Ouais, bah évidemment. Et mana. mais long, c'était long. Ouais. C'était très long, un combat. Et encore, je pense vraiment que j'ai fait le plus simple. Ouais, le dragon, je crois que c'était plus. Non, mais ça m'en fout, je comprends pas comment c'est qu'on peut pas avoir le trophée, il doit y avoir un problème, un truc et tout. Je sais pas. Les boss, c'est vraiment la mort. Par contre, à savoir aussi qu'on peut avoir l'équivalent en compagnon de chaque boss. Ouais. Donc là, bon, j'ai le prince des ténèbres, la difficulté normale. Mais on peut avoir celui en gold. Mec, ouais, celui-là, je le veux. Le dragon de glace, non? Oui, j'ai le dragon de glace. Alors, je l'ai pas sur moi, il doit être sur ma map. Mais le dragon de glace. Et alors, aussi, j'ai beaucoup farm le verre. Et j'ai appris qu'on pouvait avoir un compagnon en forme de verre. Donc, un verre de terre, hein, littéralement. Et ensuite, on pourra avoir le compagnon de type électrique si on ferme le verre. Ça me fait penser au verre que tu pouvais avoir dans l'expédition No Man's Sky. Oui. Ouais, mais non, mais ce verre-là, il vole. Oui, là, oui. C'est vrai qu'il vole. D'ailleurs, No Man's Sky, ça en est où, ce jeu? Je crois qu'il y a une mise à jour qui est prévue, il me semble. Je crois qu'il y a eu quelque chose là pour le mois de février, en plus. Ou le mois de mars. J'ai joué 200 heures, mais que j'ai jamais sorti une seule vidéo, quoi. C'est clair. Mais en même temps, les expéditions et tout, j'avais hésité, mais ça faisait 8 heures et tout. Oh là, il a fait que je découpe ça. Ouais, c'est ça. Il a fallu découper, faire plusieurs épisodes. Ouais. Comme on fait là, en fait. Tu dis un bonjour, un au revoir, et puis faire ça propre. Ah, bisous, fois, tu au revoir, vidéos et puis à la prochaine, hein. Jamais rien sorti. Ouais, non, jamais rien sorti. C'est vrai. Bah, c'est comme Destiny 2. Hein. J'ai commencé les let's play, j'ai pas sorti de vidéo, alors que j'y jouais beaucoup, hein, à un moment donné. Mais c'était compliqué aussi. C'était beaucoup de farm. Bon, Vincent, on va s'attaquer au premier. Non, deuxième DLC qui est plus court. Alors, le deuxième DLC, ouais, qui est plus court. J'en ai pu faire un peu de mon côté. J'ai fait deux maps. J'ai pas attaqué la troisième. J'ai pas démarré Wiimote. Je le démarre peut-être ? Non, pas pour le DLC, y'a pas besoin. Pour le DLC, y'a pas besoin. Non. Eh ben écoutez, jeter de cœur vaillant, se rendre. Sachant qu'on a déjà vité dans un épisode juste pour aller voir les marchands ou je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est parce qu'on avait testé les téléporteurs. On avait eu deux téléporteurs. Oui, c'est vrai. Avec les cadeaux des DLC. Oui. Tu me permets juste de nous téléporter ici même. Oui. Oui. Andrew. Ah oui, attends. C'est sympa ici, regarde mec. Ça ? Là. T'es où ? Où c'est qu'il est ? Il est là. Effectivement. Elles sont rigolotes, mais je pense qu'il y a moyen de tout avoir. Ouais, évidemment, de toute façon, tu peux... Alors, ceci dit, parlant de Wiimote, on fera peut-être ça à la fin. Je te propose de faire ça à la fin. Ouais, t'inquiète.
façon, alors, Hurle Fauve. Joie et santé à vous. Je m'appelle Hurle Fauve. Aouh ! Vous êtes là pour défendre les pierres stellaires, pas vrai ? Nous ne permettons qu'à peu d'étrangers de participer à nos jeux. Mais j'admire votre courage. Acceptez. Le champ de bataille de la racine amère a été abandonné par les Pélus il y a longtemps. Mais c'est là que se trouve aujourd'hui l'une de nos rares pierres stellaires. Pardon, j'ai bugué. Pour vous y rendre, vous devez traverser le portail bleu. Bonne chance, si vous réussissez, nous hurlerons votre nom sous les étoiles lors de nos cérémonies de clôture. Aouh ! Un gros. Voilà, donc là, il nous a ouvert le portail. Attends, j'avais baissé le son du jeu, je vais le remonter. Effectivement, le portail. Ah, le portail, il est ouvert. On va pas y aller, Vincent. Les Pelus. Oui, nous sommes chez les Pelus. Que nous pouvons s'incarner hein, en oui. Choisissant au début. Bah, du coup, t'as pris le portail ? Non. Pas encore ? Ah, ok. On va fouiller, Vincent. Façon. Il faut fouiller d'abord avant de partir. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je pensais que nous l'avions échappé lors d'un épisode précédent. Non, nous avons juste visité la map de base et nous nous sommes aperçus qu'il fallait cheater pour... qu'il fallait farmer pour avoir les pièces. C'est vous bizarre parce que je bois une monture de chien squelette noir, Vincent. T'aurais pas osé tricher ? Ah, nine, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, une fortune en plus. Ah, c'est pas du tout votre genre de cheater. C'est pas vous qui avez trouvé. C'est trop stylé. Mais oui, tu peux tous les voir là, ici. Les luisants. Ah ouais, ils sont grave stylés. Ouais. J'aime bien. Ar, regarde, j'ai apporté son petit frère. Viens voir. Art, le petit frère. Où est le petit frère? Art, il est là. Art, et... mais vous êtes parti de l'autre côté, vous tournez autour de moi. Mais non, je vous suis en fait. Art, mais je vous suis encore. Ah mais non, mais vous êtes ici en fait. Espèce d'andouille. Art, je n'ai pas tout à fait compris. Allez, Udala, Udala. Art, Hugues, Caribou. Ta femme, je la chevauche. Art, c'est pas ce qu'elle me dit tous les soirs. Art, c'est parce qu'elle vous ment. Nine, je refuse de te croire. Fermez les yeux, vous pourrez ne pas y croire. Oh, oh, regardez. Tio. Hey gamin, voyons voir. Les ennemis apparaissent aux portes ennemies et peuvent prendre l'un des trois chemins différents menant à la pierre avec un symbole runique stellaire. Repérez les chemins qui sont obstrués pour prédire lequel de vos ennemis l'empruntera. Pour obtenir des récompenses en plus en tuant les 13 pillards et en trouvant les 5 coffres, en tuant les escorteurs ou en évitant de tomber au combat. Vous voulez un conseil gamin? Soyez à l'affût des murs et des chemins bleus. Vous ne pouvez placer vos pièges que là. Je pense que c'est que tout est dit. Bonne chance gamin. Et comment est-ce qu'on active là, les... Bah là, tu vois, on a débloqué le premier portail en parlant à l'autre. Oui, d'accord. Quand on aura fait le premier, on va débloquer le deuxième, puis ensuite le troisième. Art, je viens de comprendre. Ah, regarde, il est enfin intelligent. Art, est-ce que ça brûle? Nine. Nine, ce et jeu donc, est super bien fait. Art, c'est normal, en même temps, tu as les pieds en feu. Si tu as les pieds en feu, tu ne peux pas brûler des pieds. Alors, j'ai plus les pieds en feu, d'ailleurs. Non. J'ai les pieds en... Ouais. En étoile, tu fais ouais des étoiles de glace. Art, mais pourquoi je suis une princesse à paillettes? C'est vous qui l'a fait choisir. Art, ce n'est pas le destin que je voulais. Pourquoi nous avons pris l'accent allemand? Art, je ne sais pas. Vas-y, Stas, tout ceci n'a aucun sens. Ah, j'aime les saucisses de Strasbourg. Oh, champ de bataille de la racine amère. Fait nord, niveau 5. Tadaron, elle est amère aussi. Oh, il y a des dés magiques. Art, j'ai pas la envie de lire, on va y aller à la Wallagan Beast to Fly, comme on dit. Préparez-vous pour la vague 1. Ah oui, d'accord, mais oui, mais tu veux m'expliquer, Vincent. C'est fi. Tu m'avais expliqué. Ça, y a pas besoin, hein, dépense pas d'argent là-dedans. Et je le savais déjà. On peut commencer la vague maintenant, si tu votes. Ah, et alors, sur la map, il y a des coffres à trouver qui sont dispatchés. Alors, viens là, j'en ai un là. Attends, parce qu'il faut d'abord se préparer, non, la première vague, c'est... Non, y'a pas besoin. Hein. T'inquiète pas, j'ai fait les deux premiers niveaux sans aucun piège. Ah ouais. Ouais. Regarde, et encore j'étais pas level 30. Voilà, et en fin de compte t'as 5 coffres qui sont perpillés sur la carte que tu dois trouver. Ah, et c'est comme ça que vous avez réussi à récupérer la monnaie, vous l'avez dupliquée comme un chacal. Non, c'est pas cette monnaie là. Ah. Aïe. C'est la monnaie c'est de la fin du jeu. Un portail qui picote. Qui grelotte. Fais gaffe. 3 secondes, 2, 1. Ah.
Vague une lancée, ils vont tous sortir de là. Pourquoi y'a... C'est un quoi? Un pecono? Ils vont sortir que d'ici? Oui. On va les cueillir tels de tulipes. Aria, ils sont que level 5, on va tous les one-shot. Arteux. Il pue du cul comme on pourrait le dire. En fin de compte, si tu commences ce DLC là en début de jeu, tu peux faire le premier level tranquille. Le deuxième c'est un peu plus galère. Ah ok, on va voir. Bah un peu, parce que là c'est niveau 5. Je crois que le niveau d'après c'est genre niveau 15. Qu'on est comme ça, genre ça prend 10 niveaux d'un coup. Un peu violent. Et j'ai pas fait le 3ème niveau, mais bon, je veux pas, je veux rien dire. Mais Bah je sais pas, j'ai pas essayé. Ah. Y'a ta daronne qui apparaît sur l'écran. Ça. Non mais pas le 3ème niveau, espèce de gros. Oh. C'est le boss. Et c'est nous. Oui. Voilà. C'est vraiment défense c'est ça parfaite. Oui oui. Voilà. Et ensuite il y a donc 5 vagues je crois. Ah oui. J'allais dire il y a pas d'autres vagues. Donc là on a 1 minute 20, on peut fouiller la carte et tenter de trouver les autres coffres. Genre on gagne de l'argent bonus quand on trouve tous les coffres. Là j'en ai un autre dans la baraque ici. Vous savez très bien ce qu'on va faire avec l'argent bonus. Ah y'a tout à fait. Vous allez le dépenser dans la pute et les coques. Hop. Il y a une chapelle là-haut. Une chapelle? Arte la chapelle. Arte une bicyclette. Arte, mon prof de physique, il disait tout le temps ça. Il se mettait à parler en anglais de façon totalement moisie pour nous attirer l'attention. Et que comme ça qu'on suivait à peu près les cours. Oh, j'ai trouvé un troisième coffre. On peut pas grimper là-haut? Vraiment, on peut pas grimper là-haut? C'est le bon axe. C'est le retour de Maïté. Arte, Maïté. Arte, je l'ai utilisé dans mon Let's Play Lion Song. Arte, j'ai eu mal au crâne au bout d'une heure de vidéo à force de devoir parler tout le temps et de prendre plusieurs intonations. Mais là, c'était pas Maïté là. Non, je me suis perdu. Si t'as fait une Maïté comme ça, mec. Non. Et je me suis perdu par contre. Moi, il y a eu des fins de vidéo, j'ai sur les ressources. Oh, c'est trop dur. T'as trouvé un coffre toi ou pas? Alors j'essaie de grimper dans une chapelle qui n'est finalement pas accessible en fait, parce qu'il y a totalement le vide. Bah moi je viens de trouver le quatrième coffre, il y en a un dernier. T'as vu, tu gagnes des morceaux. Oui, des morceaux, c'est vrai qu'ils... Ok. C'est même pas fait chier. C'est même pas des écrous, c'est des morceaux. Bah c'est un... Ouais, c'est un mélange des deux. On va déglinguer le deuxième DLC. Ça va être vite vu. Alors, c'est vraiment fini là? Oui. Non. Ah non, on a eu le boss, mais la vague est pas finie. Ah, la vague. Il faut surfer dessus. Aria. Et le dé, il sert à quoi? Le quoi? Le dé. Le dé. Au-dessus avec les... Ah ça c'est les points de vie en fait. Ah, en fait les ennemis ils doivent suivre le chemin bleu. Tu vois t'as un chemin bleu là qui va jusqu'au dé. Et en fin de compte il faut pas que les ennemis arrivent dessus. C'est un tower defense. C'est ça. C'est... Et il reste un dernier coffre à trouver. Tu n'as pas la localisation? Il n'est pas genre sous pont. Il est sous pont. j'ai pas regardé sous le... Tu l'as? Ouais. Oh GG. J'ai fait ça, c'est un coup du pont. C'est le coup du pont. Et du pont. Ils sont sur un bateau. Du pont tombe à l'eau. Hop. Bah c'était du pont et du pont de Tintin. Oui, bah oui. Bah je l'ai. Ah ouais? Je ne suis pas un culte à ce point. Hop. Là il y a deux boss. Oh des araignées. Bleu, vous savez, hein, ça change rien. Mais... T'as vu, tu gagnes des cerfs bleus. Des cerfs bleus. Aïe. Oui, c'est les pièces bleues, regarde, fait Tab. Tu vas voir en dessous ton argent. Une nouvelle monnaie. Oui. Ah oui, effectivement, oui, je les ai vus tout à l'heure. Ça s'appelle des cerfs. Oui, des cerfs bleus, ça s'appelle. Oh, non, non. Et quand tu les gagnes, c'est écrit à droite normalement. Plus deux cerfs bleus. Allez plus vite.
serait vraiment de la pisse. Arriar. Artoun de bicyclette. Art, avec votre bicyclette, arrêtez. Nye. Alors maintenant, vous avez compris comment j'ai démonté l'événement à moi tout seul. Ah oui, je comprends mieux. Ah, j'ai une nouvelle à vous annoncer d'ailleurs. Yar, allez-y. Vous vous souvenez, Detect Who, Yar. Je vous avais parlé des millions de ventes. Yar. Mais sur les nouvelles du prochain jeu, on ne sait pas encore sur quoi commence à porter. Mais ils ont réappelé les acteurs de A Way Out et aussi ceux de... C'est une bonne nouvelle. Et apparemment, ça va être encore plus incroyable. Ils ont demandé des scénaristes et tout souvent pour écrire l'histoire. Ça promet d'être incroyable. Ouais, j'ai vraiment de l'air. Ah, c'est tout pour entendre parler avant 2024, mais ouais. En fait, c'est même pas des maps vraiment prises sur ça. Il se prend pour une tourelle. Ah, y'a, je suis la tourelle. C'est quand qu'on jouait à We Were Here? Ah, y'a, never. Oui. Et c'est toujours au même toujours au même point de spawn. Hein. Il y en a même pas deux. Limite un peu. J'attends un peu plus de difficulté. Oui. Bon, pas comme les boss difficiles là de niveau 35. Mais... J'ai pas du tout testé le dernier niveau. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, en fait c'est que ça va aller vite. Bah le numéro 2, ouais, c'est pour ça que je te dis, je pense, en un épisode, ça peut être faisable. Du coup, ça se trouve, le premier, il utilise aussi un système assez particulier, et on va peut-être le prendre aussi. Après, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de maps, hein, et je l'ai pas du tout exploré. À chaque fois que je me crois que je portais, du coup, je fais un masque de vie, y'a rien. C'est un peu long. Oui. Limite, il faudrait accélérer. Ouah, comment on soit sauté dessus. Ouais. Ah, on a eu le boss. Ah, s'il était vraiment nul, on pourrait dire qu'il avait un petit slip. Ah, regarde. Eh ben, crème. Pas long. Non, pas du tout. J'ai mis à l'effet. Point, tu prends un point. Point, tu prends un point. Oui, Vincent. Boss, voilà, on approche. Pourquoi il est affiché là-bas? Vincent, il est. Bah, regarde là-bas. Bah, oui, regarde là-bas. T'avais pas vu depuis le début qu'il y avait un autre point de spawn? Non. Bah, allez, faut y aller. Y aller? Bah, j'ai pas envie. Bah, tu me laisses faire. C'est une énorme tagada géante, Vincent. Oui. C'était de la démontada. Ah, c'était la. Ouais, c'était violent, on peut le dire. Voilà, première map est finito. Et clean. Hop. Wow, j'étais en train de sauter, je me suis fait téléporter dans les airs. Des téléportations. Oui, vague 5 sur 5, pillard 9 sur 9, escorteur 65, coffre 5, pas de mort, ouais! Qui wow, fait un total 198 de... pièces, Vincent. Ah, j'ai plus le temps de voir. Je suis. Waouh! Allez, hein? Voilà. Mais maintenant, imagine qu'il y a des objets qui coûtent 400 000. Ah ouh!
Ça me fait beaucoup rire. Chaque défense réussie d'une pierre stellaire accroît votre mérite aux yeux de notre dieu Kitsu. Savez-vous que vous pouvez acheter des recettes de nouveaux pièges à forger dans les arènes? Venez me parler lorsque vous serez prêt et je vous expliquerai tout. Ça m'inquiète. Avant de pouvoir défendre les pierres stellaires à la grande ville déchue, il faudra aller voir Graham et acheter une recette de piège à nuage empoisonné. Et non, je ne touche pas de commission, c'est une tradition parmi les pelus. Formidable, allez trouver Andrew. Il est ici, elle a jeté cœur voyant. Il faudra un piège à nuage empoisonné. Attention, ne laissez pas tomber. Ah, ne pas les laisser. Non. Derrière. Non. Andrew, je te laisse acheter. C'est ah, j'ai pas d'argent. Andrew. Non, c'est Andros. C'est la même chose. Hein. Nuage empoisonné. Et maintenant, tu vas activer Wiimote ? Non. Bah si. Je l'ai pas allumé. Ah oui, mais je te dis. Andrew m'a dit que vous avez fait un bon choix. Les nouvelles se répandent vite, ici. Par ici. On a le temps d'activer. Vous vous êtes fait un nom au champ de bataille de la racine amère. Mais je dois vous prédire, la place de ville déchue est moins clémente. Mais lorsque les filles sont plus grandes, la récompense l'est également. Aouh! Nos ancêtres pelus puisaient autrefois sur la grande ville, place pardon, de ville déchue. Et c'est pour cela que les plus graves d'entre nous y vont pour défendre les pierres stellaires et prouver leur valeur. Traverser le portail jaune avec un cœur vaillant à l'ami. Je sais pas si mon cœur est vaillant, mais on va le traverser, ça c'est sûr. Voilà, donc là ils viennent d'activer un deuxième portail. Waouh! Waouh! C'est ville déchue? Rejoindre de la place de ville déchue. Fénor. Oui, toujours la même planète. C'est plus Elysia. Oh, défendez la pierre stellaire. Ouais, moi je vais en laisser se débrouiller. Hein. Par contre, alors là-dessus, j'ai pas trouvé tous les coffres, moi. Je crois que j'en ai trouvé que 2 ou 3. Ah. La map est un peu plus grande. Ah. Elle fournit de plus de détails. Oh, j'ai vu un éclat de renversement. Oui. C'est des sorts que tu balances sur les ennemis, c'est des espèces de boules de feu, des trucs comme ça. Ouais, un peu comme on a... Ouais, mais c'est... Toi, t'en as un, tu l'utilises, puis bah, après t'en as plus. C'est finito. C'est une grenade. Cradada. J'ai hâte de continuer Borderlands, ça ressemble. J'ai hâte de rejoindre un gameplay dynamique et débile. J'ai regardé, la dernière vidéo elle est sortie le 16 novembre. Ah, effectivement, ça fait un petit bout. Un petit bout. Arthur de bicyclette, je ne suis pas là. Nine, nine, nine. Oh, éclat dingue. D'invulnérabilité. Il ouvre le portail là-bas. Bah, vous allez vous débrouiller, je suis là. Attends, j'ai moyen de remonter là, je crois. Ah, j'ai pas trouvé un seul coffre, hein. J'ai trouvé un coffre. Ah, je crois que je pue les fesses pour trouver des coffres. Oui. Et déjà, là, ici, c'est deux boss. Ouais, deux boss, tu sais ce que c'est. Moi, j'avais raison, ils sont level 14. Oh, bougez pas, j'arrive. Hein. Je vais les faire tâter de ma lame. Et de mon congélateur. Ils vont savoir ce que c'est que se prendre un frigo dans le cul. Congélateur dans le cul. Oui, oui. Ça doit piquer, non? Ça picote un peu, hein. Ouh. Ouh. Ça picote un peu, hein. Arthur, j'ai trouvé un coffre, mais c'était le tien. Ah. Mon niveau d'incapacité est au level maximal. Ah, rien. Pour l'arrière. Ça, c'est déjà deuxième un boss. Peu plus long, mais c'est toujours nul. Ils sont level 14. Je pense que le level suivant, ça va être level 25. Vincent. Oui. Non, rien. Ça c'est fait. Ouais, vague une. Je propose de pas lancer tout de suite, mais qu'on cherche d'abord les coffres. Oui, je suis assez d'accord. Ah, il y en a un là. Pertinent. Arrêtez de trouver les coffres, moi je ne les vois pas. Il y en a un sur un balcon aussi que j'avais déjà trouvé. Enfin là, je l'ai pas vu sur... J'ai pas été le voir sur cette map là, mais sur un balcon, t'as un coffre. Balcon. Balkany. Bah, Balkany. J'allais faire la même vanne. C'est qui déjà Balkany? C'est un mec qui Balkany, a fait... c'était un maire, il a fraudé de l'argent, il avait de l'argent en Suisse, plusieurs comptes.
Et puis j'en ai trouvé un et j'en ai trouvé un deuxième. Ouais, c'est celui sur le balcon, t'es. Bah attends, je crois que j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé un troisième. Bon bah, je crois qu'on les a tous. Y'a pas moyen de savoir ? Non. On va voir à la fin, sinon faut chercher encore, mais... Ouais, y'a moyen qu'on les ait tous. Ouais, c'est 5 à chaque fois. Après, la map est plus grande, hein, donc... Non, de souvenir, je crois que ça reste 5. Arte, si vous le dites. Ah, je suis dégoûté, j'ai vu que Life is Strange a fêté son anniversaire. J'ai cru que Epic Games ça nous fait une petite gâterie. Petite surprise. Et en fait, je peux aller me faire foutre finalement. Règle de lancer. Les combattants sauriens et des mini-dragons. Pipa, pipa, pipa. En vrai, j'ai juste suivi. Hein. Il y en avait un derrière un coffre. J'ai fait là, je suis comme ça, j'ai sauté. Il y en avait un là, j'ai re-sauté derrière, il y en avait encore un là. Vraiment là. Ah, puis moi j'en ai deux, donc on a 5, hein, c'est tout bon. Le nickel. Compte est bon. Vous avez été trop efficace sur cette game. Ah, je sais, ta femme aussi me dit que je suis efficace. Yeah. Yeah. Allez, plus vite, enfin. Et vraiment, je me faille tout seul. Oui. Tant que j'arrive. Parce que c'est vraiment de la merde, ce truc. Arya. On vient d'avoir le deuxième boss. Arte, c'est vraiment nul. Tout le monde dit, ça pue des fesses. J'ai hâte de voir le level suivant. Ça va être d'une je 30, on va rigoler sa grand-mère. Non, ça a l'air d'être de 55. Donc je pense que ça va être 25. Et qu'est-ce qui fait 25 aussi? Ah, ma mort, apparemment. Qu'est-ce qui fait 25? Blanc. Le portail m'a croqué tout cru. C'est fait manger par le portail. Ouais, c'est comme mon spawn kill. Sinon je le fais croquer. Oh. Monsieur, c'est un lâche, il joue au loin. Ah, merde, où est le portail? Il y a qui veut savoir où il était. Bon, je suis avec tes excuses. Dans tous les cas, oui. Je savais qu'il n'y avait pas grande panique. Limite, je pourrais te regarder faire. Ah, et complètement. Ça. J'ai l'impression que quand tu ramasses les cerfs bleus, ça me les fait gagner aussi. Oui, oui. Pour une fois, en faisant. Non. Quand toi, oui, mais toi. Non, mais toi, tu ramasses, mais ouais. C'est la première fois qu'il y a du contenu qui est partagé. Je pouvais le faire depuis le début, mais nous ont manqué. C'était trop compliqué. Alors, tout à l'heure, il y avait un peu de soleil, du coup, ma caméra était clean. Mais là, du coup, ça fait carrément sombre. Rien ne va. Ah, ça y est, son level 15. Vincent. Oui. Tu te souviens quand je t'ai parlé du film Coraline? Me souviens plus. La fille là qui va dans un autre monde et où c'est ses parents mais avec des yeux en forme de boutons. Oui, oui, des yeux boutons. Et je t'avais dit c'est du Tim Burton. Ouais. C'est pas du Tim Burton. C'est de qui? C'est un mec scénariste et tout qui a fait plusieurs autres films. Et il a fait un film dans l'univers un peu de Tim Burton et tout, mais c'est pas Tim Burton. Je me sens anéanti mec parce que pour moi c'est un film de Tim Burton. Et j'ai toujours dit que c'était un de mes films préférés de Tim Burton. Et en fait, c'est pas lui. C'est vraiment un mec, en plus surtout qu'il a pas fait des trucs genre tout. Et juste ce truc là, dans l'univers de Tim Burton, mais à fond quoi. Et je suis trop dégoûté du coup. Je me suis senti anéanti frère. Putain, j'étais en mode mais c'est pas possible. J'ai dégoûté. Ah ouais mais bon. En fait je te retrouve à l'état pistolet parce que là le problème c'est que je peux pas vraiment m'approcher en fait. Si je m'approche je me fais bouffer. Bah faut attendre, faut que t'attendes au moins qu'il sorte du portail.
C'est le portail qui te bouffe. Mais toi du coup tu les tapes plus vite. Tu vois ce qu'on appelle. Ah ouais, mais moi je les endommage et puis ensuite toi tu les finis. Comme d'hab quoi. Avec mes coups, j'appelle. Non, c'était instantané. Dès que j'ai lancé, ils sont partis direct. Ouais. Oui. Et puis il lance des os. Machiavélique. Des os boomerang. Des os boomerang. Eh, ton bâton à la noix là, il boomerang vers nous. J'ai mis dans une vidéo de rap. Ouais, mais en anglais, du coup, ça marche pas trop. Ah bah oui, parce que tu peux pas récupérer en français ce genre de choses-là, tu les as pas. Dommage. Et je peux pas filmer depuis Disney, tu sais. Aussi. Disney Plus. Copyright. C'est comme toi qui a essayé m'envoyer un screen Netflix, ça marche pas. Bah oui, le téléphone, il me dit pour des raisons de conditions juridiques, vous ne pouvez pas prendre une capture d'écran. Ouais, bah moi, si je te fais une capture d'écran, ça me fait un écran... Un noir. T'envoies un screen... Ça envoie un screen noir. Il y en a beaucoup là. Et ils sont fous là. Ah, t'en as eu un hurlement de chez toi là? Oui, c'est mon frère, tout va bien. J'ai cru que c'était ton chien, j'allais dire. Ton chat qui a dû. Non, non. Je veux que le n'a pas de tri viril. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est que pourquoi il fait ça? C'est virage? Non, 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 même pas là, il est content. Ah, d'accord. Ah, ouais. Non, c'est quand en fait il rigole avec ses potes. Je vois. Il s'est calmé là depuis ses dernières tentatives de. What? Comment il sort par là? Non, il sort par là. De toute façon, j'ai mis un mot de passe sur mon PC, puis. Ouais. C'est. Oui, je sais pas si je te l'avais dit ça aussi. Il a touché à ma Xbox. Ah, ouais, aussi. Ouais, il y avait un soir, je voulais le démarrer, puis j'allume la console. Tiens, ça allume pas la télé, c'est bizarre, la console était allumée. J'allume la télé. Normalement, c'est automatique, en fait, quand j'allume. Ouais. Quand j'allume la console, il y a une commande qui fait que ça demande d'allumer la télé. La télé s'allume, mais là, non, ça n'a pas marché. C'est bizarre, donc j'allume la télé, en HDMI, avec le bon HDMI. J'ai pas ma console, qu'est-ce qui fait, pourquoi ça marche pas? Et en fait, à l'arrière de la console, il y a deux prises HDMI. Il y a une out et il y en a une autre, j'ai jamais compris ce que c'était, mais il y a une deuxième prise. Elle était pas branchée sur la bonne prise. Ah. Donc du coup le lendemain j'ai demandé à mon frère et puis en fin de compte ils ont dit ouais mon copain il a voulu jouer à la Xbox et il a ramené la sienne. Et du coup ils ont débranché la mienne. Ouais. Mais ce qui me semble bizarre c'est qu'ils revenaient de l'école, donc ça voudrait dire qu'il s'est baladé toute la journée avec sa Xbox dans le sac. Ah oui, effectivement c'est bizarre quand même. Et surtout que moi à côté, j'ai deux autres. Alors j'ai dit autre chose aussi. Je vois, mais du coup, vous avez pas pu jouer? Il fait bah non. Mais pourquoi il a pas pu jouer à sa console? Et moi, à savoir que j'ai un meuble juste à côté avec une autre Xbox One. Et en théorie, elles sont pleines de poussière. Et ma Xbox One, il y a un endroit, genre celui-là, il y a des traces de main. Donc je pense qu'ils ont. Comme la mienne, il faut un mot de passe. Ils ont dû vouloir essayer l'autre. Sauf que comme les deux sont reliés au même compte, bah quand ils ont dû l'allumer, elle a dû demander le mot de passe aussi, l'autre. Ouais, comme c'est connecté, comme c'est lié avec le compte. Ah oh, la vache. Donc ouais, donc ils se sont fait chier à débrancher ma console pour mettre l'autre. Qu'est-ce que ça m'énerverait moi de savoir qu'il y a des gens qui pratiquent. Ah ouais, non mais c'est insupportable. Waouh, j'ai pris très cher. Ouais, il fait très très mal. Hein. Ma barre de vie a fait... Ah, t'es mort? Non. Mais okay. Ouais, on l'a eu. Moi, je me souviens que celui-là, je me souviens avoir galéré. Hein. Ah ouais? Il m'a tué quand même une... Ouais, bah oui, bah, quand je l'ai fait, j'étais encore que level 20. Ou moins que ça. Et ouais, ça tout seul, c'était un peu galère. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire l'autre. Ouais, tu vois, on a les 5 coffres.
Ah, et pas de ah mort. T'es mort une fois, on n'a pas eu le bonus. Ah, oh, le non. Nul. Bah, je pense que ça vaut. La violence. Pour ce que ça vaut. Hurle fauve. Vas-y, parle-lui. Allez hop. Hurle fauve. Non, c'est pas ça. Vous êtes en train de devenir très populaire parmi les pelus. On parle de mettre votre visage sur les paquets de céréales. Yeah, j'ai toujours rêvé, Vincent, de mettre sur les paquets de céréales, Vincent. Oui. Toute ma vie, j'en ai rêvé. Des pelus travaillent, eux, toujours dans les mines du temple. Mais elles n'ont jamais été un droit totalement sûr. Nos ennemis refusent d'y renoncer. Les mineurs sont en vacances pendant la défense des pierres stellaires. Et nous y avons placé deux pierres stellaires pour que le défi soit encore plus grand. Accepté. Ah ouh, j'espérais que vous tenteriez le triplé. La gloire vous attendrait le portail vers l'ami. Rendez-nous tous fiers. Ah ouais, il y en a deux. Donc là, faut en défendre deux. Moi, je dis easy. Ouais. Je dis on... Donc ça, je ne connais pas la map, je vais complètement la découvrir. Bon, je dis on roule sur le, la map. La mine, mine du temple, c'est ça. Hein. Bah, il est de retour parmi nous. Ah, on sent le 25 ans que... en PLS. Tiens, regarde, tu vois, niveau 25, je te l'avais dit. Ouais. Bah, on va les démonter, Vincent. Oh, c'est stylé avec tous ces rails. Oui. Bah, c'est les mines, Vincent. C'est ouais, la non, mais de je... la Moria. Je veux faire une décoration comme ça avec des rails, moi. Moi, je vais faire des rails de... Attends, quoi. Y'a que quoi. Oh. Toc, toc, toc. Waouh, mec, y'a des chiottes, mon gars. Incroyable. Des chiottes de luxe. Non, des chiottes. Effectivement. Alors là, bordel, pour trouver des coffres, moi, je te souhaite la merde, hein. Ah bah, y'en a un, ici. Où ça? Ah oui, effectivement. Et un. Alors du coup, il y en a deux à défendre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul portail d'entrée. Ah, c'est complètement con, en fait, histoire. Il nous aurait mis le double, je t'aurais dit. Ah, on va peut-être rigoler un peu. Ouais, deux portails, mais non, même pas. Ça... Par contre, c'est stylé. Un deuxième. Oh, il y a de la lave, mec. Waouh. Oh, des diablotins cracheurs fantômes. De piscine, il faut le portail du... Bien sûr. Yeah. Ouais. Pas du c'est bon côté. Stylé. Oh, il y a des poulpes. Le poulpe de tes morts. Il y a trois boss comme ça. Éclat d'illusion, c'est quoi? C'est enfin, comme une illusion, mais forme d'éclat. Ah, je vous jure. Crée une illusion au point d'impact qui attire les ennemis. Ah, c'est le. C'est la... une version de. Tu sais, ma bague. Ah. Quand j'ai pas assez de points de vie, ça fait une illusion. Et il va vite, le sagouin. Ouais, ouais. Il glisse Vincent sur la map. Oui. Mec, c'est easy, hein. Vraiment ce DLC mon là. Alors là on est à deux donc Ah des grosses barres, hein, je vous jure. En vrai il y a une quatrième map mais je sais pas ce que c'est. C'est la bah, barre d'être relié par un portail. Peut-être une île à acheter, non? Ah je pense, ou alors, comme récompense. Ah oui peut-être ouais. Ouais, ça pourrait bien être ça. Ouais. Donc en fin de compte, alors ça va être vite torché parce que en théorie on est censé farm pour avoir toutes les récompenses. Censé. Voilà. En théorie. Mais nous on sait ce qu'on pense du farm. Voilà. Pour les gros technos. Bah moi je farm bien des boss tout seul dans mon coin. Ah, ouais. Non boss c'est pas le genre de jeu où. Ouais, pour avoir une belle stat trophée, ouais. Franchement le jeu après pas sûr de le jouer, hein. Ah ouais? Bah... Même pas pour un peu de craft? Faut voir, mais... Je ne sais pas. Je ne suis point sûr. On vote pour faire la suite ou alors on trouve les coffres d'abord? Il y a un peu, parce que j'en ai pris deux. Au moins comme ça on aura dit qu'on aura un peu visité la map, qu'on l'aura pas torché ouais. De trop. On aura rentabilisé le coût de construction. Oui.
Y'en a pas un derrière là? Y'en a pas là. Mais comment on fait des... Comment on fait une fontaine? J'aimerais bien savoir. En fait, tu prends un bloc, tu pisses dessus, ça fait fontaine. Waouh. Oh, c'est stylé ça comme endroit. J'ai peur qu'il y en ait un dans l'eau là. Je sens pas. Tout à l'heure, sur notre map, j'en avais trouvé un dans la flotte déjà. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas, mais après ça fait du recyclage. Recyclage. À mon avis, là-haut, il doit bien en avoir un. Nine. En 10 secondes. Ouais. Et je suis pas du tout à côté. Je suis en dessous de toi. Ah, donc on est pas du tout à côté tous les deux. Par contre, ces fenêtres, mec, elles sont stylées. Les fenêtres en forme de lame, là. Ah, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé trois, du coup, en tout cas. Bon, bah, moi, j'en ai trouvé aucun. Ah, tu pues du cul. Ah, je suis pas parti du tout du bon sens, c'est ce que je pensais. Attends. Bah, ouais, fallait descendre. Attends, je suis bien sûr qu'il y a un coffre, là. Non, il y a un hôtel. Vas-y, je m'en occupe, Y'a un hôtel. Bah réserve, vas-y. J'ai l'air d'une attaque qui est le temps de réaction. Oh, il a été dur. Je suis juste en dessous au tuto. J'ai dur en dessous. Oh, guerrier elfe fantôme. C'est noir à rallonge. Pas péter la main. Pas péter en terre Haïti. Et bah je n'en vois pas avant. Là-haut peut-être. Il y a un mage diablotin fantôme. C'était non machiavélique Vincent. Faut qu'ils aient. Ah, il protégeait ça en fait. Fallait le tuer parce qu'on pouvait pas tuer le poulpe. Des doutes sur l'utilisation des derniers coffres. Hein. Et il doute. Et il se raccroche à la vie. Il s'enfourne avec les bruits. Par contre, alors vraiment, j'arrive pas à me rapprocher d'eux. Hein. Ils me maintiennent à distance. Il faut tuer le mage diablotin. Il faut tuer le mage diablotin qui est derrière pour pouvoir tuer le coup. Merde, j'étais sur le mauvais. Donne un peu plus de piment. Oui, un poil. Et ben. Hop. Bon, la prochaine n'est pas ici. Là-dedans, il y a quoi? Je crois que je vais devoir me tuer. J'ai vu sauter un endroit pour ceux qui aient peut-être un truc. Ah du coup t'as plus de vie. Ah quoi? Quoi? Ah bah si. Un peu. Ouah, la lave elle est bizarre. La lave à certains endroits elle fait pas mal et puis à d'autres elle peut carrément taper. C'est une lave mi-méchante. Ouais c'est ça. Elle est un peu tiède tu vois. La lave tiède. Un concept. Ah oh, ouais. Ça pourrait être un bon concept dans Borderlands. Comme la fois où on a dragué un pont pour qu'il s'ouvre. D'accord. Vincent, c'est possible. Draguer un pont pour qu'il s'ouvre. Oui. Vraiment, mec, ça arrive devant la ville. Et ils font, mince, le pont lui est fermé. Comment est-ce qu'on va faire? On va le draguer. Il l'a vraiment dragué et je sais plus ce qu'il dit. Puis le pont lui s'est ouvert. C'est dans Tintina Wonderlands. Ah oui, et puis il y a un autre moment où tu vas vaincre la mer, littéralement. Et la scène elle est épique. Ah, je t'ai dit, il faudrait qu'on joue après le 3 ou 2. Et il y a même le pré-sequel qui est sorti après, qui est trop cool aussi. Enfin, je l'ai pas fait jusqu'au bout. Et Tintin Wonderland s'en est pas mal aussi. Hein. Bon, après, d'ici là, on a le temps. Mais je te jure, hein, vraiment, si tu kiffes le 3, je peux faire les autres. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. À voir.
Déjà qu'on finisse le 3. Ah, avec les DLC, mon gars. Wouhou. Ah, je peux pas m'approcher. Ah, il faut d'abord tuer l'autre. Et bam. Et ça fait bip à fond. Et pique et pique et collégram. Et bourre et bourre et ratatam. Et ratata et ratatou. Voilà. Wow, ça pousse tout. Non, il y a une boule. Il maintient une boule de feu venue du ciel. Une boule d'ombre. Une boule. Une boule. Oh bah tiens. Un golem. Un golem. Bah y'en a. Dis-moi. Non, ouais, elle va dans son dos. 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 Ré. Mi. Fa. Sol. Oh, il a dit si bien. Pourquoi tant de haine envers le sol, hein? Qu'est-ce qui t'a fait le sol? Il est là, tu marches tous les jours. À la limite, il doit être pour ça. Il y avait un truc dans... C'était dans... Link the Sun. Je sais plus sur quel épisode, sur quelle vidéo c'était. À un moment donné, il passe le truc des... Les chats, là. Le dessin animé avec les chats. Hein? Le même avec... Tu sais que la chanson Sol, Do, Mi, Sol, Sol, ah oui, les Aristochats, c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, il fait un what the cut, enfin pas un what the cut, il fait un YouTube poop avec. Enfin, il coupe, si tu veux, pour faire Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. C'est une honte. C'est le chat qui dit Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi. Ah bon. C'est rigolo. C'est rigolo! Trop lolol. Ah, du coup, il nous manque encore des coffres, on est d'accord? J'en ai trouvé que 3, Vincent. J'en ai trouvé aucun. Art, j'ai pourrais dire que vous puez un peu des fesses. Ah, pour une fois. Vous êtes comme un camembert resté dans le frigo bien trop longtemps. Je suis désappointé. Et vous je. Vous êtes un camembert qui court, comme on peut le dire. Je sais pas si t'as déjà entendu cette expression. Non. Ton ah bon bah t'as trouvé un c'est... Non, c'est pas sous la map. Affirmation était incroyable. Merci Vincent pour ton nouveau sacrifice. Ah non, du coup on va pas avoir un des objectifs. Ad Carasos. Ah oui c'est vrai, j'ai complètement zappé. Ne pas mourir. Ah pas bon. Raté. Ah bon. Eh bah nickel. Vérolique, nickel. Mais de toute façon, t'es pas mort dans la lave tout à l'heure? Non. J'étais justement, je suis dans la lave, j'étais en mode bah pique pas. Je me suis avancé, puis elle s'est mis à me piquer, du coup je suis sorti. Ah, mais genre, t'es pas coulé dedans, t'as marché dessus? Oui. Ah, oui, d'accord. Non, pas si, j'étais dedans, mais il y a un bloc. Ah. Y'a ouais. Ouais, y a qu'un bloc de lave en fait. Qu'un bloc c'est de lave. C'est pour ça. Y'a qu'un bloc. C'est l'avant-dernière vague, hein. Ouais. C'est quand même plus long, les vagues sont plus lentes, j'ai l'impression. Ouais. La 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 la. 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 Donc quoi c'est déjà? Donc j'ai pas l'air de ce que tu dis. J'ai pas l'air de ce que ça va venir. Non. Hop j'ai des clients. Hop j'arrive dessus dans toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas miroiter? Fils de ta mère va. Je suis encore. De ta maman. Ouh. Ouh. Aïe.
Ça me fait bizarre à partir de demain, mec. Je vais avoir un emploi du temps à point, quoi. Moi qui avais l'habitude de chômer. Ça va se faire tout drôle. Par contre, là, c'est quand tu vas dire au gars, les gars, mec, tu sais que je suis handicapé que vendredi, littéralement, on a un cours en distanciel. Et vendredi, ouais. Moi, si au gars, les gars, est sorti, pas de cours en distanciel qui tiennent. Hein. Si je suis devant mon PC. Ouais, t'as le cours distanciel à côté, puis en fait, tu regardes pas. Ouais. Puis, ah, ma caméra marche pas. Bon, de toute façon, ils n'ont pas de caméra, mais. Ah, je vais jamais pouvoir me concentrer si tu sais qu'il y a le guard legacy qui est là. Je peux pas. Ils avaient caché l'un de moi. C'est clair, pourquoi choisir le jour de la sortie de guard legacy? Un santo. C'est un complot. Bon, ça va, ça sort en fait, c'est vrai. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, le temps qu'on tue la première, la deuxième est en train de sortir. Puis en fait, on est trop loin, tu les... Tiens, en fin de compte, mec, vraiment, si tu fais ça tout seul, t'as moyen d'être débordé, si t'es pas level 30. Ouais, ouais. Avec... Ouais, non, en vrai, si on est pas level max, il y a moyen avec ça. Les... Et je tiens à dire qu'on a des armes de boss ultra pétées que tout le monde n'a pas non plus, quand ils font ce DLC. Aussi. Si tu fais ça à level 25 avec les armes de dernier niveau, c'est pas possible, je pense. Poulpe de tes morts. Ouais, défense parfaite. Je vois pas trouver dans le coffre. Attends. Dès qu'il n'y a pas ce... C'était caché. Il s'était caché. Et maintenant, quand je tire, je vois les trois flèches. Je sais pas si tu les vois. J'en tire pas qu'une, j'en tire trois d'un coup. Ah oui. Quand je regarde devant moi, je vois... T'as ce que je vois aussi, c'est que je... Oui. Je vous rassure, moi aussi, d'abord. C'est rassurant. Je sais pas, parce que moi, c'est tellement de naturel que dépend des ennemis. Par contre, attends, il est où le point de TP du boss? À chaque fois, il pop ailleurs. Au-dessus de nous. Effectivement. Lève la tête. Et tu verras la vérité. C'est pas une chose, non, okay. Oui. Que je change. Je me dis. Verra, on saura, ce Benoît. Et notre existence te donner une chance de tout effacer. On ira, on saura, sauver notre existence pour refaire. Alors, pas que du coup, mais je me tente vraiment là, à reprendre Scooby-Doo. J'ai vraiment envie de regarder Scooby-Doo. Mais c'est quand tu regardes des séries de ton enfance que t'as kiffé, c'est trop kiffant. Mais ouais, Code Lyoko aussi, on peut en parler comme ça. Les trucs débiles qu'il y a dedans. Yamete! Cet épisode avec les tentacules. Maintenant, je ne vais plus Code Lyoko, pense. C'est pas le boss? Non? Non, il y en a trois déjà. Ah oui, trois, oui. Ah, c'est à trois. Et puis normalement, c'est écrit le boss arrive. Le boss est là. Ah, il est plus là. Il est là et puis là. Il est là. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. J'ai tapé, mais j'ai tapé avec un parchemin avant. Ça marche pas. Parchemin de soin, bah, tu peux juste te soigner, c'est tout ce que tu feras avec. Ah, c'est bien que je te soigne. Wouah. J'ai goûté au portail. Il y a deux points de ma scène. Ah, puis t'as tué? Non, mais j'ai vu la mort arriver très vite. Et j'ai réussi à lui dire non. Il fait très mal le portail ou? Bah, en fait, c'est quand tu te fais taper. Ouais, le même qu'avant. Tu vois, en fait, le problème, c'est que En fait, tu vois, je reçois de damage. Et si eux ils m'attaquent, du coup je fais. Bah ça fait double dégâts. Ah, là il y a le portail qui vient de s'allumer là-haut. Wouh. Non du oui, coup, c'est ça, boss en approche. Bah le dernier que l'œil Watcher là, ouais. Watcher. Il est tout là-haut. Je sais pas quelle route il va prendre. Fils de ta mère! Hein? Mais il est. Ah, mais non, parce que. Waouh, on a mis une attaque. Hein. Il t'a démonté. Waouh! Wow. Ouais, il m'a redémonté un peu. Waouh! Coller lui, c'est pas possible. Hein. Ça y est! Voilà. On l'a eu! Et bah. Pierre Stellaire défendu. Jeté cœur vaillant. Pas fou, hein? Non! C'était... Ah là!
Tu sais, en plus j'allais y penser, mec. Du coup, j'ai pas resté. Oh, 10 000. Wow. Allez, là pour ferme, par contre, c'est mieux. Ah, il manque un coffre. Un coffre. Alors. Il y a le faux. Ah ouh, je leur avais dit. Et ils m'ont dit que je n'avais pas l'œil pour dénicher du talent. Ah. Commerci. Ah bah voilà. Quoi? Ah du coup après tu peux te... Cet objet génétique vous téléporter en mine du temple en mode difficile. Ah, on a des versions difficiles, Vincent. Ah. Attention, prépare-toi à te TP avec moi. C'est lui qui le donne en fait, la règle de propriété. D'accord. On peut du coup faire des versions difficiles en vrai. Hein. Oh non. Quoi? Non, je veux pas faire les versions difficiles, Vincent. Pourquoi? Ça va être niveau 35, Vincent. Ah bah oui. Ah bah falloir jouer avec les pièges et tout. En vrai, ça peut être intéressant. Faire un épisode et tout, on fait ça et puis on fait avec les pièges dedans. Ouais, parce que... Ouais, le biome est sympa. Sans plus, hein. Ça fait une petite prairie. Ouais, mais le mélange de d'herbes orange et puis vertes. C'est sûr. J'ai envie de dire pourquoi pas. Eh bien, parfait. Ben écoutez, on va s'arrêter ici. On va se faire une deuxième vidéo, je pense, complète sur la version longue, hein, comme les boss. Ouais. Donc, n'hésitez pas à mettre de j'aime, n'hésitez pas à commenter, à aller voir les autres vidéos, les autres let's play. Il y a pas mal de choses qui sont faites sur la chaîne. Et aussi avec l'ami Vincent, qu'il s'est présent. Bonjour. En train de manger mon crumble. On se retrouvera du coup pour les versions difficiles de ce qu'on vient de faire. Et une autre vidéo du coup, ou deux autres vidéos, je pense, du prochain DLC. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous êtes insupportable.